Bonjour Monsieur Dubois, Magali à votre service, que désirez-vous? Ouais, je veux le solde de mon compte. Certainement, monsieur. Je vais vous demander le deuxième et le quatrième chiffre de votre code secret, s'il vous plaît. Le 6 et le 7. Alors apparemment, ces chiffres ne correspondent pas, monsieur. Nous allons faire une nouvelle tentative. Je vais vous demander le premier et le quatrième chiffre, s'il vous plaît. Le 9 et le 7. Ah, je suis désolée, monsieur. Le code ne correspond toujours pas. Êtes-vous bien, monsieur Sylvain Dubois? Oui, c'est moi. Dites, vous êtes sûr que vous tapez bien les chiffres que je vous donne? Avez-vous changé de code récemment, monsieur Dubois? Non, mais c'est bon, je suis pas débile, je connais mon code. Vous n'avez donc pas changé de code récemment? Faut vous le dire comment? Non, j'ai pas changé de code. Bien, je vais accéder à votre compte d'une autre manière, monsieur Dubois. Eh ben voilà, ça va me prendre encore 3 plombes. Et c'est moi qui paye chaque minute. Voilà ce qui se passe quand on envoie les plateaux téléphoniques à l'étranger. C'est le bordel. Je vais vous poser quelques questions pour valider votre identité en absence de code confidentiel. Et puis ça vous coûte moins cher, les Noirs et les Arabes. C'est ça, hein? Ouais, je n'ai pas entendu votre question, monsieur Dubois. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Votre plateau, là, c'est des nègres et des bougnoules, c'est ça, hein? Non, je n'ai pas la réponse à votre question, je suis désolée, monsieur. En revanche, pour votre solde, j'ai une solution pour y accéder. Ah, c'est ça. C'est un plateau à l'étranger, vous voulez pas le dire, hein? Ah, c'est ça, hein? Allô? Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Alors, hein, c'est ça? C'est ça quoi? J'ai perdu le sens de votre question, monsieur Dubois. Je suis dans un centre à l'étranger, hein? Vous êtes bien au service clientèle à distance, monsieur? Que puis-je faire pour vous? Ouais, je sais très bien où vous êtes. Souhaitez-vous connaître le solde de votre compte, monsieur Dubois? Oui, ça fait 3 fois que j'appelle juste pour avoir mon solde, et ça fait 3 fois que ça marche pas. Y'en a marre. Alors maintenant, tu te démerdes, mais tu me donnes mon solde, et tu fais fi ça. Pouvez-vous me donner votre adresse postale et votre date de naissance, s'il vous plaît, monsieur Dubois? Pourquoi faire? Pour valider votre identité, ce qui me permettra d'accéder à votre solde. Comment ça? Alors n'importe qui répond aux questions peut voir mon compte? Non, pas exactement, monsieur. En absence de votre code secret, nous n'avons accès qu'à certaines informations. Mais c'est n'importe quoi, votre banque. Vous êtes des abrutis. C'est ça, votre sécurité? Mais je vais changer de banque. Hein, c'est ça? Change de banque, hein? Allô? Allô? Je suis là, monsieur Dubois. Vous souhaitez fermer votre compte? Non, mais si ça continue comme ça, je vais le faire. Et croyez-moi, ça va faire du bruit. Très bien. Pour accéder à votre solde, il me faut votre adresse postale et votre date de naissance, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas répondre à vos questions. Et puis comment vous appelez d'abord? Magali. Magali comment? Je ne suis pas autorisée à vous communiquer mon nom de famille, monsieur. Ouais, c'est ça. Vous êtes 200 bonnes femmes à vous appeler Magali. Hein, c'est ça, hein? Des nègres et des bougnoules qui s'appellent tous Magali. Je m'en fous, j'ai noté leur appel. Je vais faire un courrier commandé au siège pour dire que vous êtes une incapable. Toutes les conversations sont enregistrées. C'est vous qui allez vous faire virer. Allez, profite bien de ta soirée, c'est ta dernière connasse. Monsieur, les injures ne sont pas tolérées. Si vous continuez, je vais devoir terminer cette conversation. D'abord, c'est moi qui te paye, alors je dis comme je veux. Et puis tu vas rien terminer tout parce que t'as pas le droit de raccrocher. Je le sais, j'ai un copain qui travaille dans les centres d'appel. Alors maintenant, tu me donnes mon solde et j'ai pas à répondre à tes questions, la con. Lorsque la conversation devient incorrecte, nous sommes autorisés à l'interrompre, monsieur Dubois. Ce que je vais faire si vous persistez dans vos injures. De toute façon, j'ai rien dit d'incorrect parce que tout ce que j'ai dit, c'est vrai. T'es une connasse et je m'en fous parce que j'aurai plus une autre bonne femme et j'aurai mon solde de toute façon. Et c'est pas toi qui raccroche, c'est moi qui te raccroche à la gueule, bouffiasse. Pierre? C'est Magali. Alors, j'ai eu plusieurs fois connasse, un con et un poufias avec des propos racistes avec nègre et bougnoule. Ça mérite bien un rapport. Ok, merci. À plus.